Arbery. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire Algorithmes, Machines et Langages, une chaire d'informatique, euh, ce qui semble évident en fait euh, au Collège de France. Est-ce que c'est parce que c'est devenu une science euh, qu'il fallait absolument lui trouver une place ici Ce n'est pas devenu une science, c'est une science depuis toujours. Elle est née en 1936 avec les travaux de Turing. Le collège a long, assez rapidement réalisé qu'il fallait trouver une place à l'informatique. Elle est rentrée par le, le biais de chair annuelle. En 2007-2008, j'ai donné un cours qui s'appelait Pourquoi et comment le monde devient numérique en forme de leçon de choses pour expliquer aux gens qui ne savent pas franchement ce que c'est que l'informatique, de quoi il s'agit. Puis un cours plus technique sur la modélisation du calcul. Et puis maintenant, une chaire pérenne, ça veut dire un enseignement beaucoup plus long, centré autour de problèmes techniques qu'on va étudier sur des années, pas seulement, pas seulement techniques, d'ailleurs des problèmes fondamentaux qu'on va étudier depuis des années. Et donc, je me consacre à, à, la, à tout ce qui concerne le temps, les événements, la programmation de systèmes liés au temps et aux événements. Ces systèmes-là sont très nombreux, mais très variés, comme par exemple les, les programmes temps réel qui vont conduire vos voitures ou vos, vos avions. Les circuits électroniques qui sont fabriqués et qui sont pleins d'horloges et de systèmes temporels. La grande simulation de systèmes, la simulation de, de systèmes industriels, de systèmes physiques, qui est utilisée dans toute la conception d'objets. Et aussi, euh, par exemple, la coordination d'activités diverses sur le web, qui est un grand réseau. Et puis, de façon plus surprenante, la composition musicale. Et il s'est trouvé que les techniques que nous avons développées pour faire des avions sont tout à fait utiles pour faire de la composition musicale et utilisées. Pour dévoiler tout ça, il faut s'intéresser à ces trois domaines les algorithmes, les machines et le langage. Oui, absolument. Les algorithmes sont le cœur de l'informatique. Il y en a des milliers pour faire des, énormément de choses. Ce que j'étudie sont les algorithmes liés au temps et aux événements, mais pas seulement. Et puis, les machines sont fondamentales pour faire marcher ces algorithmes. C'est elles, elles qui nous servent quelque part. Et les langages sont tout aussi importants parce qu'il faut écrire aux machines de façon extrêmement précise ce qu'elles doivent faire. Et donc c'est le, le, le triplet algorithme machine-langage qui est au centre de l'informatique avec d'autres choses comme l'information que je ne traite pas particulièrement dans mon, dans mon cas mais qui est un très grand sujet et les interfaces qui nous permettent de communiquer avec les machines dans les deux sens avec des dispositifs physiques extrêmement originaux maintenant.